emprisonné dans un quartier ou dans une multinationale exploitée. Qu'un voile t'étouffe ou te réchauffe l'âme. Tu es, vie, transmets, respire, femme. Ce que tu vis en bas du bâtiment n'est que le reflet de ce qui se joue plus haut insidieusement. Si en lieu tu es considéré comme un objet, une parure, pourquoi là où règne la précarité, ta vie serait-elle moins dure? Ni pute, ni soumise, ni nègre, ni esclave, ni SDF, ni assisté, à quel terme se limiter? Il faut se recommencer, se questionner, creuser. Un mot de sans femme n'est ni permis ni possible. Choisis bien les mots qui orneront tes missives. Moi j'ai pris cela pour me battre à tes côtés sur le front. L'homme n'est pas ton ennemi, mais ton partenaire, et tu le sais au fond. En ces temps, nous ne pouvions nous aimer, tout simplement. Le seul fait de vivre était un calvaire en ces temps. Notre sueur et d'acide nous brûlait la peau. Nous dormions sous le fouet, nous étions des animaux. L'article 11 du code de notre exploitation stipulait que le maître était l'autorité dans la plantation. Nous ne pouvions nous unir sans son consentement. Nous ne pouvions aimer sans profond déchirement. Si tu n'étais pas favori pour les saillies, t'as bien aimé porter l'enfant d'un autre, tu ravalais tes sentiments. Je parle du temps où nous ne vivions pas. Nos femmes pleuraient pendant leur sébat. À présent, c'est sur la vie que l'on mise. La douleur ne nous quitte pas, nous le savons, nous la sentons. Nous sommes handicapés du bonheur, il y a eu ablation de notre humanité, de notre amour, de notre passion. L'union était un vœu inaccessible dans les plantations. Si tu as mal, sache que je n'en porte pas mieux. Ce n'est pas de la haine, mais de la misère affective que tu lis dans mes yeux. Sachant que les mal aimés seront les mal aimants. Aimons nos enfants, et eux peut-être aimeront correctement.